Salut tout le monde. Je dis à ça avec un pile fierté et avec un pile qui est content d'apprendre la carrière pour nous présenter un jeu nous penser qui a un pile talent, un jeu qui important, un jeu qui se font gros travail pour nous avec l'équipe nationale là dans Go Cup 2019 là. Joueur ça son défenseur central, il est Andrew Jean-Baptiste. Eh bien, Andrew Jean-Baptiste prend naissance le 16 juin 1992 aux États-Unis dans Brooklyn, New York. Andrew Jean-Baptiste fait études classiques li dans Brentwood High School qui trouvé dans Long Island. Et dans l'école ça, Andrew Jean-Baptiste est toujours à jouer au football et en 2009, il pourra réaliser un gros bagage parce que il a nommé le meilleur joueur pour région Long Island là, en 2009. Après ça, Andrew t'a pas décidé à jouer football universitaire pour Connecticut Huskies. Et c'est là tout, il t'a pas réalisé un plus gros exploit dans toute carrière parce que dans deuxième année dans université ça, il t'a pas nommé Big East Conference Defensive Player of the Year. Ça qui veut dire meilleur défenseur pour toute région Isla Net. Et même saison ça en 2010, Andrew te gen ta ap joué pour U23 équipe Red Bulls. Mais en 2012 encore, il pourra réaliser un gros bagay dans ville qui c'est équipe Portland Timbers a qui était sélecté numéro 8 dans MLS Super Draft là. Il veut dire en 2012, Andrew Jean-Baptiste entré dans MLS là. Premier match pour équipe ça, il marqué un goal. Mais dans fin saison, même équipe ça t'a pour le voyer comme prêt dans une équipe qui est les Los Angeles Blues. Et côté ça, il t'a pour jouer 8 matchs seulement. Andrew vient titulaire en dans équipe Portland dans la deuxième année. Il joue 26 matchs et le 13 juillet 2013, Andrew t'a fait un goal contre LA Galaxy pour bail équipe Portland Timbers la victoire. D'après Andrew, ça c'est un plus gros match li joué dans toute carrière. Li pa gen doit jamais oublier match ça. En décembre 2013, gen un échange qui fin fait et échange à cause Andrew t'a pas joué pour équipe Chivas USA. Il t'a joué 10 matchs seulement à cause d'une blessure qui t'a empêché de jouer pendant 2 mois. La saison finie, Andrew t'a pas signé avec New York Red Bulls. Mais il t'a tout voué le nom prêt dans une équipe affiliée à gros équipe New York Red Bulls. Andrew joue le premier match li avec équipe ça le 4 avril 2015 contre Toronto. Mais ça t'est fini 4-1 dans l'avantage équipe Andrew. Le 26 juin 2015, malheureusement, il t'a pas libéré Andrew de contrat li t'a gagné avec New York Red Bulls. Andrew t'a pas passé la saison 2015-2016 là dans le pays Espagne dans l'équipe qui est l'Estrella San Agustín. Mais ça pas t'a dire trop parce que en août 2016 Andrew signe pour une équipe dans le pays Suède qui est Nyköpings BIS. Il t'a pas joué un rôle extrêmement important dans l'équipe ça qui t'a pas permettre les jeunes en prolongation dans contrat et dans deux saisons dans l'équipe ça, il a joué 32 matchs et puis il a scoré 3 goals. Après ça, Andrew signe pour une équipe qui est Terengganu, dans le pays Malaisie, mais ça n'a pas duré. En février 2019, Andrew signe avec une autre équipe dans le pays la Suède qui est Umeå FC. Andrew joue 11 matchs pour l'équipe ça, il fait un goal et il aide aux jeunes promotions pour monter dans la deuxième division. On le fait encore, l'expérience n'a pas duré trop longtemps. Parce que 22 août 2019, l'équipe a fini contre Andrew pour un incident qui passait dehors terrain football là, mais il n'a pas jamais dévoilé qui ça incident ça été. Le 14 janvier 2020, Andrew signe un nouveau contrat avec l'équipe Valour FC dans le pays Canada. Le 16 août 2020, Andrew joue premier match pour l'équipe ça. Malheureusement, l'équipe ça a perdu 2-0 dans le match. Dans l'affaire sélection nationale, Andrew joue 2 matchs pour l'équipe États-Unis dans la catégorie U18. Mais en 2015,
li t'a pas représenté équipe senior Haïti nan Gold Cup là, mais li pat monté terrain nan aucun match. Andrew marqué premier goal pour Haïti en 2017 nan 4 qualification Gold Cup là face à Suriname, nan un match qui était fini 4-2 nan avantage Haïti. Deux jours plus tard, Andrew t'a pas marqué deuxième goal li nan sélection nationale contre Trinidad, match a fini 4-3 nan faveur Haïti. Et c'est Andrew qui t'a marqué goal victoire pour l'équipe Haïti. Andrew t'a fait partie de l'équipe nationale qui t'a fait belle prestation dans Gold Cup 2019 qui t'a fait que tout Haïtien content tout partout dans le monde entier. Il t'a éliminé dans demi-finale devant Mexique malheureusement. Compétition ça, sur 5 matchs, Andrew t'a joué 4 matchs.